Nous sommes Actu TV. Nous investissement humain. Nous avons une association Gouné en collaboration avec la mairie et l'association qui est dans la commune. Nous avons initié. Nous avons une casquette qui est dans la commune de Diobe Kabendou. Mamoudou Camara, c'est lui le président du conseil communal de la jeunesse de Diobe Kabendou. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis venu à la fondation. Je m'en réjouis de cette journée consacrée à l'assainissement de la commune de Diobe Kabendou. Comme vous le savez, le problème de partenariat entre l'association Gouné et la mairie de la commune de Diobe Kabendou, ça date de longtemps. Et ça a toujours porté ses bons fruits parce que chaque fois, la population en bénéficie. Aujourd'hui, il s'agit de procéder au nettoiement de la commune. Le partenariat entre la mairie et l'association Gouné, c'est une bonne chose, c'est une très bonne collaboration. Depuis très longtemps, la commune de Diobe Kabendou, l'équipe municipale a des problèmes pour assainir la ville. Parce que c'est plusieurs pays qui se retrouvent dans la commune de Diobe Kabendou. Et chaque fois, nous n'avons qu'un seul tracteur pour assainir. Et si l'association Gouné vient pour nous appuyer, nous leur disons merci. Le maire nous a instruit, Bambo Girassi, de veiller vraiment à ce que ce travail soit bien fait. Et nous sommes là-dessus. C'est pourquoi nous avons fait appel à des tracteurs. Nous avons un tracteur qui est là sur place. Et nous avons fait appel à notre tracteur Molo Kandé, qui est en train de venir pour nous aider. Nous lui disons aussi également merci, qui est du côté de Mampatim. Les jeunes étudiants sont sortis massivement. La population, les jeunes, les femmes, les enfants, l'équipe municipale, les agents de la mairie, tout le monde est là. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est un acte fort, parce que les gens savent que Diobe mérite d'être assaini.
Et le problème d'assainissement pose problème. C'est pourquoi nous faisons, on appelle à l'État. L'État doit aider la commune de Diabakabedou dans le cadre de son assainissement. Il nous faut des bennes, il nous faut des tracteurs pour assainir la ville. La mairie seulement ne peut pas assainir la ville parce que nous avons un budget de 200 millions. Un budget de 200 millions ne peut pas tout gérer. Diaoubé, quand vous entendez son nom, vous pensez à ses recettes, mais malheureusement, l'offre est supérieure à la demande. Donc nous interpellons vraiment l'État à nous aider à assainir la commune de Diaoubé-Kabedou dans tous les secteurs. Vraiment, nous remercions le maire d'avoir tissé des relations avec l'association Gouné pour assainir la commune de Diaoubé-Kabedou. On remercie également les partenaires. Les partenaires sont à féliciter. Merci beaucoup.